Hello YouTube, je vous retrouve pour une ouverture de balle, enfin de bab, et un appel de cartes. Donc je pense que je vais commencer par l'appel de cartes. Kat, sur sa chaîne, je vous mettrai le lien de sa vidéo où elle fait cet appel de cartes en barre d'infos, a lancé, bah, comme tous les ans, un appel de cartes pour son petit-fils Diego, qui va avoir 3 ans cette année. Et du coup, bah, je me suis dit que voilà, hein, on relaie l'info pour que Diego il ait le plus de cartes possible pour son 3e anniversaire. Ça commence à devenir un grand bout de chou. Donc, bah, je vous mets le lien de la vidéo de Kat en barre d'infos. Elle explique mieux, elle expliquera mieux les choses que moi. Et puis bah voilà. Donc j'espère que vous serez nombreuses à participer à ce petit appel de cartes. Pour que le petit Diego bah, soit submergé de jolis courriers pour ses 3 ans. Le thème, parce que tous les ans, il y a un thème. Donc la première année, c'était les pirates, si je ne me trompe pas. L'année dernière, c'était Disney. Et cette année, c'est l'espace. Donc bah, c'est là, je vais, voilà. Là, je vais sûrement être un petit peu plus à l'aise dans ma création que l'année dernière avec Disney. Donc voilà, je relaie l'info et puis bah, pour toutes celles qui veulent participer à cet appel de cartes, allez voir la vidéo de Kat. En plus, elle vous met son adresse mail pour qu'elle puisse vous donner son adresse pour lui envoyer les cartes. Voilà. C'est fait pour le petit Diego. Donc maintenant, j'ai reçu ben, 3 courriers. Un de Claudine de la chaîne Rose. De la chaîne Rose Bonbon Coco, n'importe quoi. Claudine de la chaîne Ange Coco. Voilà. Je savais qu'il y avait un coco dedans. Ange Coco. Et qui me fait, oh elle est très jolie, qui m'a envoyé bah, ses voeux sur une jolie carte à fond pailleté avec une bouteille de champagne et une ficelle pour simuler le bouchon qui s'envole. Alors attendez, si votre cœur est rempli de désirs et de rêves qui colorent la vie, que cette nouvelle année accomplisse vos plus beaux souhaits et se remplisse de couleurs du bonheur. Merci Coco. Merci beaucoup. Moi, je te renouvelle également mes voeux. Très très belle année. Je sais pas, ouais, si vous la voyez bien là. Une très très jolie carte. Merci beaucoup Coco. Ensuite, j'ai reçu de Coralie Farger. C'est une scroping qui est sur le groupe de bébés. Et je devais lui envoyer, on avait fait un échange à l'automne. Oh là là, elle m'a mis plein de choses. On avait fait un échange à l'automne sur... Qu'est-ce qu'on avait fait comme échange sur l'automne? Je ne sais plus ce que c'était. Et Coralie, dans sa lettre, m'avait dit, ben, si tu veux, tu pourras m'envoyer une memory dex pour me dire, ben, enfin, pour qu'elle connaisse un peu mieux mes goûts. Mais j'avais vraiment pas eu le temps jusqu'ici. Donc là, j'ai pris le temps de lui faire sa memory dex. Et puis, ben, du coup, elle m'a répondu en me mettant un très très joli galon. Comme ceci. J'aime beaucoup. C'est très très joli. Et une petite carte bonne année avec les 3 petits chats. J'adore. J'adore, j'adore. Cette découpe, elle est juste canon. Et elle a mis le même petit galon que celui qu'elle m'a offert. Mais en rouge et beaucoup plus petit. Ils sont vraiment super jolis, tes petits galons. J'aime beaucoup, beaucoup. Oula, oula. Une jolie dentelle. Alors. Ah ben en fait nos courriers ont dû se croiser, Coralie,
parce qu'elle me met PS 6 contre ma memory dex et elle me met envoie-moi la tienne. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai reçue. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai reçue. Je l'ai reçue dans la semaine dernière. Oh, très jolie. Très très jolie. J'aime beaucoup. Hop là. Ah, elle est vraiment très très jolie. Avec une feuille séchée. Là, on a des bouts de bois, des petites feuilles. C'est très très joli, j'aime beaucoup. Je vous la montre comme ça. Et en fait, alors du coup, ouais, nos courriers ont dû se croiser, Coralie. Eh bien, écoute, moi, je te remercie infiniment pour tes vœux. Je te réitère les miens. Du coup, j'espère que tu as reçu mon... J'espère que tu as reçu mon enveloppe. Ce que je fais, c'est que je vais t'envoyer un message ce soir. En tous les cas, merci infiniment, Coralie. C'est vraiment très gentil. Et maintenant, c'est Natacha de la chaîne Natacha, ses bidouilles et ses bricoles, ou ses bricoles et ses bidouilles, qui m'a envoyé un super joli petit tag qui est vraiment trop joli. En fait, c'est sa carte qui est en tag. Il est vraiment trop trop mignon avec un fond à encre dans les bleus roses et ce petit zozio. Alors, ce petit zozio, qui me l'a envoyé? Mais je crois que c'est bébé sur sa carte avec son écharpe et son bonnet. Je le trouve juste terrible. Il est trop joli. Alors elle m'a joint une petite ATC et un marque-page parce qu'elle a cru comprendre que je manquais de marque-page. Il est superbe, j'adore. Il est vraiment trop trop beau. Féerique à souhait comme j'aime. Ces tampons là, ils sont juste trop 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 beaux. Tu me diras si c'est des Lavinia, tes tampons. Parce que ça ressemble beaucoup au style de Lavinia. Maintenant, est-ce que ça en est? Je ne sais pas. Tu me diras. Avec toujours un fond ancré et une petite fée qui va bien en haut. Merci beaucoup. Il est vraiment très très beau ton marque-page. Et là, une petite ATC. Bonne et heureuse année. C'est Vœux 2020 et c'est la 8 sur 9. Et son YouTube, c'est Natacha, ses bricoles et ses bidouilles, c'est ça. Alors, un fond avec des encres, de la texture, de la pâte de texture colorée en marron. Là, une découpe en grenage, enfin pas en grenage, j'ai l'impression que c'est pendule plus, enfin horloge, parce qu'il y a une aiguille. Oui, puis c'est une horloge, là, je suis bête. Enfin, bref, eh ben écoute Natacha, je te remercie infiniment. Je remonte sa carte qui est vraiment super belle. Elle est vraiment très très belle. Je te remercie infiniment. Je vous remercie toutes les trois pour vos jolis courriers. Et puis ben, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao!